Ah, pardon. Bonjour et bienvenue sur cabesto.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de la montre profondimètre électronique de la marque marseillaise Beucha, le modèle Mondial 3. Une montre lisible, au déclenchement automatique en contact de l'eau et fabriquée aux États-Unis. Vous venez de faire l'acquisition d'une Mondial 3 sur le site cabesto.com. Bon, déjà, première chose, vous avez fait un bon choix. On va découvrir ensemble ce que vous allez recevoir dans la boîte. Donc, j'ouvre la boîte. On va trouver une petite notice d'explication car la Mondial 3 que vous allez trouver dans la boîte Beucha est une Mondial 3 qui est en mode sommeil. Donc, je vais initialiser ma montre tout simplement comme ceci en appuyant pendant quelques secondes sur les deux boutons comme ceci, croisés. Et là, merveille de la technologie, la Mondial 3 s'initialise et elle fonctionne. La montre Mondial 3 chez Beucha est une montre profondimètre destinée à la pratique de l'apnée et de la chasse sous-marine. C'est un produit qui est fabriqué aux États-Unis par une marque qui s'appelle Pelagic. Donc vous allez avoir une qualité de fabrication américaine et surtout un capteur de pression qui est fabriqué intégralement aux États-Unis, ce qui en termes de qualité évidemment est mieux qu'une fabrication chinoise basique ou même asiatique basique. Donc en termes de qualité de fabrication, vous avez un produit qui est normé américain et qui va être très performant, notamment au niveau de son capteur de pression. Dans la boîte de la Mondial, vous allez trouver également la notice qui sera en français évidemment sur le petit CD-ROM, donc à imprimer sur votre ordinateur perso. Vous allez trouver également un petit emballage plastique dans lequel je vais trouver un raccourci de notice plastifié qui va être en français. Je vais essayer de vous le trouver en français. Voilà, mode surface, ça c'est le raccourci en français. Donc le raccourci plastifié peut s'amener avec soi dans son sac de plongée. Ça permet de retrouver les différents réglages facilement sans avoir besoin de s'emporter la notice avec soi. Donc ça c'est livré avec la Mondial 3. Vous allez trouver également ici une clé de démontage. Je vais vous expliquer à quoi ça sert après. Et vous trouvez également une protection d'écran qui est un film en fait qui va se maroufler directement sur l'écran de votre montre Mondial 3. La Mondial 3, pour la sortir de l'emballage, donc est équipé d'un bracelet élastomère, est équipé d'une boucle comme vous pouvez voir en métal pour la résistance et la tenue sur votre poignet. Donc la voilà sortie de son emballage. Donc on va trouver quatre boutons, un bracelet élastomère, c'est un boîtier plastique et c'est un boîtier qui va être étanche à 100 mètres. Vous pouvez accéder au compartiment pile ici par cette petite porte. On va pouvoir ouvrir cette petite porte avec la clé que je vous ai montré précédemment. La pile qui est à l'intérieur, c'est une CR2430, donc c'est une pile très facile à changer et à trouver dans le commerce. Vous pourrez donc changer la pile vous-même sur votre Mondial 3 ou évidemment la faire changer chez votre revendeur préféré. La montre Mondial 3 est bien entendu une montre chrono, réveil matin et alarme complète et qui possède un deuxième affichage de fuseau horaire quand vous partez plonger à l'étranger par exemple. Elle se rétroéclaire en appuyant ici sur ce bouton là pendant 2 secondes. Vous allez pouvoir faire défiler les modes assez facilement dans les différents modes de réglage grâce au bouton. Là vous avez l'affichage de la température. A noter que la montre Mondial Beucha peut être formatée pour une utilisation eau douce ou eau salée. Elle peut être également formatée pour une utilisation en métrique ou en impérial si vous plongez aux États-Unis par exemple. Une Mondial 3 a un déclenchement automatique, c'est-à-dire dès que vous allez être à la surface et la montre au contact de l'eau, elle va passer automatiquement en mode profondimètre. Le mode profondimètre est un mode profondimètre performant qui va vous donner évidemment vos profondeurs instantanées, vos profondeurs max, la température de l'eau. Elle possède une mémoire de 99 plongées à l'intérieur de la Mondial 3. À noter qu'en option existe une interface qui est en fait tout simplement un cordon USB qui va venir se clamper ici à l'arrière de la montre. C'est une option, ça s'achète séparément. Le cordon USB vous permettant de vidanger régulièrement la mémoire de votre Mondial 3 pour conserver toutes vos performances en termes d'apnée. Le carnet de plongée est très complet, il possède 2 blocs mémoire dissociés, un bloc qui concerne la journée écoulée et un bloc historique qui est un petit peu comme un compteur kilométrique de voiture, vous permettra d'avoir toutes vos performances et toutes vos profondeurs max affichées dans la mémoire de l'ordinateur en permanence. Voici à présent l'affichage en mode freediving, c'est-à-dire en mode apnée. Vous pouvez constater la principale qualité de la montre Mondial 3, c'est sa lisibilité et l'excellent contraste de ses cristaux digitaux, ce qui vous permettra une lecture optimale, quel que soit le rayonnement lumineux,
soleil ou fin de journée par exemple, votre montre mondiale restera toujours lisible. En mode apnée, la Mondial 3 possède des alarmes que vous pouvez paramétrer sur on ou sur off. Des alarmes évidemment d'intervalle de surface, des alarmes de temps à la descente, mais également des alarmes de profondeur. Toutes ces alarmes, évidemment, si vous pratiquez la chasse sous-marine, sont paramétrable, c'est-à-dire vous pouvez mettre l'alarme sur on ou sur off en fonction de la pratique. Le déclenchement se fait une fois de plus automatiquement au contact de l'eau. Si vous souhaitez ne pas avoir un déclenchement automatique au contact de l'eau quand je me lave les mains par exemple, je peux également couper le déclenchement automatique. La durée de vie d'une pile sur une Mondial 3, c'est à peu près 300 heures en mode utilisation montre et ça va être à peu près 26 heures en mode utilisation profondimètre digital. Donc une pile à changer en moyenne si vous sortez régulièrement avec, tous les ans à mon sens. La Mondial 3 possède un boîtier qui est un boîtier polymère résistant à la pression puisque c'est étanche à 100 mètres. Une montre Mondial 3 Becha ne peut s'acheter bien sûr que sur cabesto.com. Indispensable à la pratique de l'apnée et de la chasse sous-marine, je vous conseille particulièrement la Mondial 3 pour sa lisibilité et sa facilité d'utilisation. Elle est de plus proposée actuellement à un tarif fin de série particulièrement bas et donc très intéressant pour vous. Merci pour votre écoute et bonne commande sur cabesto.com.